Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour louer son beau, louer son beau nom avec moi. Louer son beau nom avec moi. Louer avec moi le bon nom du Seigneur. Louer son beau nom avec moi. Nous sommes venus chanter son nom. Chanter son nom. Nous sommes venus chanter le nom du Seigneur. Nous sommes venus chanter. Oui, donnons gloire au nom du Seigneur. Donnons gloire au nom du Seigneur. Donnons gloire, gloire au nom du Seigneur Jésus. Achète l'âme du péché, jamais il le laisse seul sans que. Oh, loué, alléluia. Oh, loué l'Éternel, car il est bon. De tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Alléluia, les hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais qu'aujourd'hui implore son pas. Oh, louez les terres, alléluia. Oh, louez, alléluia, car il est bon. Pour tant de merveilles, pour tant de faveurs, pour avoir donné son tu le calmes. Alléluia, pour avoir rempli les mains de la mort, pour avoir brisé les forces de l'homme. Oh, loué, alléluia. Oh, loué, alléluia, car il est bon. Il a eu pitié de l'âme languissante, en ouvrant la source au milieu du désert. Alléluia, délivrant les peuples et l'homme chancelant, lui donnant la vie pour l'éternité. Oh, loué, alléluia, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Oui, quand le célèbre là dans l'assemblée, au milieu des cris de joie d'adorat. Oh, alléluia, toute terre que tout l'univers lui chante sa gloire pour ses combats. Oh, loué, alléluia. Oh, loué, alléluia, car il est bon. Sainte délivrance pour tous ses élus, car il manifestant de toute sa puissance. Alléluia, pendant que le monde ignore la venue, l'épouse l'attend remplie d'assure. Oh, loué, alléluia. Oh, loué, alléluia. Louange à l'agneau, Alléluia. Louange à l'agneau, Alléluia. Louange à l'agneau,
Alléluia, louange à l'agneau, Alléluia, mérite à Jésus, Alléluia, mérite à Jésus, Alléluia, mérite à Jésus, Alléluia, mérite à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, honneur à Jésus, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Yembela Yesu, Yembela Yesu, Azali Zambe, Yembela Yesu, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Binela Yesu, Binela Yesu, Azali Zambe, Binela Yesu, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Kumisa Yesu, Kumisa Yesu, Azali Zambe, Kumisa Yesu, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Comment ne pas te louer, hey, hey, comment ne pas te louer, hey, hey, comment ne pas te louer. Oh, comment ne pas te louer, Jésus mon Dieu, ne pas te louer, Jésus mon sauveur, comment ne pas te louer. Oh, comment ne pas te louer, Jésus mon roi, ne pas te louer, Jésus mon sauveur, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je pense à nos enfants, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, mon roi, te louer, Jésus, mon sauveur, comment ne pas te louer, Jésus. Je regarde à mon pasteur, Seigneur Jésus, je te dis merci, oh mon sauveur, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, oh Jésus, mon roi, te louer, Jésus.
heureux et pas te louer. Seigneur, oh comment et pas te louer. Oh Jésus, mon roi, oh Jésus, mon sauveur, comment ne pas te louer. Ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Oh, oui, Dieu va faire encore. Ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, dis seulement un mot, Jésus dit seulement un mot, Jésus dit seulement un mot. Jésus dit seulement un mot. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une à deux tranchants. Dis seulement Seigneur, oh oui Seigneur, je sais. Oh, dis seulement un mot. Jésus dit seulement un mot, Jésus dit seulement un mot, seulement Jésus dit seulement un mot. Alléluia, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une à deux tranchants. Dis seulement Seigneur un mot, Seigneur un mot. Je serai guéri. Oh, c'est la vérité, Seigneur Jésus. Quand tu dis un mot, quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose arrive réellement, Seigneur. Oh, quand tu descends, tout s'arrête, mon Sauveur. L'atmosphère change, mon Dieu, mon Roi. Tu parles à ton peuple. Oh, il y a un transfert entre Dieu et sa création, mon Sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Parce que ce matin, tu es descendu, tu es là en train de parler, tu touches les cœurs, tu réveilles, tu secoues, tu délivres, tu libères, tu guéris, tu transformes, tu remplis, tu changes la situation. Jésus-Christ, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier. Quand Dieu descend, tout s'arrête. L'atmosphère change. Oh Jésus-Christ, mon roi. Comment ne pas louer ton saint nom? Comment ne pas t'exalter, mon Dieu? Oh, il n'y a point de Dieu semblable à toi, mon Sauveur. Seigneur, souviens-toi de nous. Oh oui, Jésus, quand Dieu descend, les paralytiques s'élèvent et courent comme des biches dans une étable. Oh, les stériles enfantent. Jésus-Christ, mon roi, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous te voulons dans nos vies, Jésus-Christ, mon roi. Nous te désirons au plus profond de nous, Seigneur. Oh, le monde n'a aucun pouvoir sur nous, Seigneur. C'est toi seul qui as le contrôle. C'est toi seul qui domine sur toutes choses. Seigneur, viens. Seigneur, descends. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta grandeur. Oh, ma sœur a besoin de toi, Seigneur Jésus. Mon frère a besoin de toi, mon Dieu.
Seigneur, nous crions à toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi tu connais nos pensées. Toi tu sais quand nous sommes assis et même quand nous sommes debout. Jésus-Christ, mon roi, souviens-toi de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. L'atmosphère change réellement, Seigneur. Il y a cette communion, Seigneur Jésus, entre toi et ton épouse. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Manifeste ta puissance. Seigneur, ce matin, ma soeur crie à toi. Jésus-Christ, mon roi, tu es le seul qui peut entendre. Tu es le seul qui peut répondre. Tu es le seul qui peut délivrer. Tu es le seul qui peut libérer, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Manifeste ta grandeur, mon roi. Oh, délivre ton peuple encore ce matin. Oh, que tout esprit de somnolence, mon sauveur, soit chassé au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Nous voulons être attentifs à ta voix. Seigneur, parle. T'écoute, mon roi. Viens, manifeste ta grandeur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, nous te voulons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, mon roi. Tu es digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ton amour, oh Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et... Quand Dieu descend, Dieu descend. La nuit s'arrête. Entre ciel, quand Dieu descend, Dieu descend, et tout s'arrête, il y a un transfert entre ciel et terre. Sa puissance, il
transcende par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle. Psaume chapitre 119. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119. Psaume 119, nous lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui le cherchent, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Amen. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin. Alléluia, sa parole, c'est le feu. Oh oui, sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole, sa parole, c'est le feu. Alléluia, sa parole, oui, sa parole. Oh oui, sa parole, sa parole, c'est le feu. C'est le feu, notre Père Céleste, notre Dieu, qui consume et qui descend. Ta parole qui a la puissance de pouvoir même, au Dieu Tout-Puissant, transformer un homme, bien-aimé Père au Dieu, donner la vie, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, là où il y avait la mort. C'est la parole que tu as prononcée, qui est la parole créatrice, mon Sauveur béni. Nous te remercions encore ce matin pour ta main puissante, ô Dieu, qui agissante encore jusqu'aujourd'hui, mon bien-aimé Père au Dieu. Merci, parce que tu es toujours le même Dieu qui a marché avec Abraham, le même Dieu qui a parlé aussi à Noé, le même Dieu qui a parlé aussi à Adam, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. C'est le même Seigneur qui est venu et qui nous a aussi parlé, mon bien-aimé Père. Et nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci réellement, ô Dieu, pour tout le soin que tu ne cesses de nous prodiguer, Père, ô Dieu. Nous disons encore merci encore pour la joie de pouvoir être à toi. Béni sois-tu encore ce matin. Pour ton amour à notre endroit, nous avoir permis de pouvoir chanter des tels cantiques, bien-aimé Père Tout-Puissant, ô Dieu, étant dans ta maison à toi, nous pouvons chanter des cantiques de Sion, mon bien-aimé Père. Nous réjouissons encore ce matin de ce que tu as fait pour nous, Père. Ô Dieu du ciel, comme Ézéchias pouvait les prier en disant, le séjour de mort ne peuvent pas te louer. Et ceux qui descendent effectivement dans la fosse ne peuvent plus espérer en ta fidélité, Père. Le vivant sont ceux-là qui te louent, comme nous aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce
que tu feras encore davantage, mon roi, pour ton peuple, mon bien-aimé Père Saint, qui est rassemblé, Père Dieu, dans différents endroits, dans le lieu où se trouve encore ce matin, mon bien-aimé Père Dieu, qui soit vraiment béni et fortifié, Père. Oh, nous l'avons aussi entendu. Comment je ne me rends pur son sentier, mon bien-aimé Père, tu toujours d'après ta parole à toi. Tes préceptes sont donc nos conseillers, mon roi. Nous voulons pas nous éloigner de ça, mon bien-aimé Père. Nous avons besoin de toi encore, Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur, mon bien-aimé Père Dieu. Et ce matin, il a la joie de pouvoir réellement te louer, te glorifier encore, Père, tu mission, Dieu. J'attends encore ton Saint-Nom, Père. Tu es le Dieu qui pardonne les iniquités, mon bien-aimé Père, tu mission. Puisses-tu nous pardonner encore ce matin, mon bien-aimé. Oh Dieu du ciel, c'est vraiment une grâce de pouvoir réellement être à toi. Voir aussi un cœur qui est touché, mon bien-aimé Père, tu mission, comme tu l'as fait avec Josias en ce temps-là, mon bien-aimé Père, Dieu. Quand il a entendu Paul, par la télévision, dans le Paul qui a été présenté, en toi, bien-aimé Père, son cœur a été vraiment touché. Tu as dit, parce que ton cœur a été touché, oh Dieu du ciel, tu es vraiment Dieu mon roi, béni soit ton nom, Père Subissant Dieu, accorde-nous encore la grâce ce matin que nous puissions vraiment avoir ce cœur disposé pour toi, fais de voir te servir comme toi tu le veux Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés et de l'iniquité mon roi, merci aussi pour la grâce que nous avons reçue Père, d'être encore vivant aujourd'hui Père Subissant Dieu, dans ta maison, à toi mon bien-aimé Père oh Dieu, nous prions pour chaque frère et pour chaque sœur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié mon Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi davantage. Nous pouvons nous joindre à cet homme de Dieu que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir prononcer les paroles qui réjouit le cœur de l'homme en disant « C'est un homme selon son cœur ». Comme il pouvait dire que un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs et je suis dans la joie quand on me dit « Allons donc dans la maison de l'Éternel ». C'est cela que nous nous réjouissons, que nous trouvons réellement aussi la raison de notre existence, effectivement, sur la terre, parce que notre Dieu nous a créés pour un but, effectivement, que le diable a voulu déjà, dès le début, chercher à pouvoir détourner et dévier, parce que la gloire, l'honneur et l'adoration ne peut revenir qu'à celui qui a fait réellement aussi le travail, celui qui a eu à pouvoir exécuter effectivement et manifester effectivement son exploit, c'est-à-dire Dieu qui a créé, parce que aucun ange n'a pu à pouvoir créer, même les chérubins, même les archanges, aucun ne pouvait créer, et le seul qui a amené à l'existence la création que nous pouvons voir, et aussi, en finalité aussi, l'homme qui l'a eu à pouvoir créer, c'est cet homme-là qui, effectivement, le Seigneur, le Créateur, a eu à pouvoir placer la reconnaissance, effectivement, à son endroit, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a eu à pouvoir aussi doter à l'homme, effectivement, de ce que cet homme a été créé, cet homme a été placé dans un milieu, effectivement, que Dieu avait préparé, effectivement, de manière à ce que quand l'homme s'y trouve, effectivement, il puisse arriver à pouvoir bénéficier de tout ce qui lui est nécessaire. Donc, cet homme-là, se retrouvant dans cette condition, regardant la bonté de l'Éternel à son endroit, de ce qu'il a pu mettre aussi à son environnement, ainsi cet homme pouvait aussi glorifier Dieu et le remercier de tout son cœur. Ainsi, l'adoration lui revenait effectivement à ce Dieu qui avait fait quelque chose, effectivement, pour que l'homme soit amené donc à l'existence. Donc, et voilà, c'est comme ça que le diable, effectivement, lui qui était d'abord un ange qui mettait les sous à la perfection, la jalousie est entrée dans son cœur pour qu'il puisse avoir le désir de pouvoir se sentir aussi beaucoup plus important et aussi vouloir recevoir les honneurs et être aussi glorifié et être aussi adoré. Mais on ne peut qu'adorer seul Dieu lui seul parce qu'il est l'auteur de la vie qui nous anime. Il est celui qui nous donne aussi la grâce de pouvoir réellement aussi vivre et surtout aussi de pouvoir, il a pourvu aussi pour tout le besoin que nous pouvons avoir. Que son nom soit béni encore ce matin de ce que il nous a fait part, effectivement, dans sa parole qu'il est l'Éternel, donc il ne change point. Et c'est là aussi, là où notre foi, effectivement, aussi s'accroche, parce que nous avons un Dieu qui ne change point. Alors nous savons que s'il ne change pas, ce qu'il a eu à pouvoir faire dans le temps passé, il le fait aussi. Et ce qu'il a aussi déclaré aussi, comme parole, effectivement, ben, il va certainement aussi l'accomplir. C'est pour ça que il a dit à Jérémie, « Que vois-tu donc, Jérémie ?» Et Jérémie lui a dit que je vois une branche d'amandier. Il a dit que, oui, tu as bien vu, Jérémie, car moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. C'est un privilège que nous avons, effectivement, de savoir qu'il y a quelque chose qui
tellement important pour notre Dieu, c'est d'abord c'est lui-même, effectivement, parce que il veut être honoré et il veut réellement qu'il soit aussi respecté, effectivement, dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que, comme l'Écriture le fait savoir, que Dieu est la parole, effectivement, puisqu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est vraiment Dieu lui-même. Donc il aime réellement que sa parole soit aussi honorée, puisque c'est réellement aussi Dieu lui-même. Ainsi donc, quand nous prenons en considération cela, c'est ce que Dieu aussi prend aussi en considération. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Donc si nous l'honorons effectivement, alors il nous honore aussi et encore davantage encore, il prend vraiment soin de nous. Dans notre marche effectivement, nous avons cette grâce et ce privilège de pouvoir savoir que il a dit que voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et puis, il a aussi prononcé la parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Là, nous comprenons qu'effectivement que c'est un trésor que Dieu nous donne effectivement, que tout ce que nous pouvons voir et aussi qui nous entoure effectivement aujourd'hui, oui, évidemment, un jour et après-demain, probablement aussi, ça peut passer et ça passera. Non pas ça peut passer, mais ça passera. Puisque les Saintes Écritures l'ont déclaré dans 2 Pierre au chapitre 3, que cette terre d'à présent, pas du passé, du temps de Noé, parce que du temps de Noé, c'est par le feu, mais cette terre d'à présent est réservée pour le feu, pour le jour du jugement et des hommes impies. Donc nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, manifeste effectivement aussi ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, en démontrant effectivement que ce qu'il a fait, même si les gens pouvaient douter, puisque au temps de Noé, les gens ont douté, parce que quand Noé parlait effectivement, disant que, voyez-vous que l'eau va submerger effectivement cette terre, les hommes ne peuvent pas croire effectivement cela. Vous le savez. Et ces hommes étaient vraiment convaincus parce que ils avaient des certitudes naturelles et humaines qui sont concevables effectivement dans leur esprit, dans leur conception et aussi dans ce que c'est palpable pour eux d'une certaine manière ou d'une autre parce que depuis la création, pendant le temps qu'ils ont vécu sur la terre, ils n'avaient jamais vu en fait qu'il y avait de l'eau qui pouvait descendre du ciel. Non, ça a toujours été la rosée qui montait de la terre, qui arrosait effectivement la terre, effectivement, les fleurs, les arbres, tout. C'est comme ça que les choses étaient effectivement. On appelle ça comme une vapeur. Donc c'était la rosée qui faisait cela effectivement. Donc, ils n'avaient jamais vu cela. Et maintenant, entendre une parole qui vient dire que les dieux du ciel va détruire effectivement cette terre en réalité, effectivement, mais il va le submerger par l'eau. C'était une chose impensable, impossible à la conception de l'être humain. Mais malgré qu'ils avaient effectivement ces doutes, effectivement, qu'ils n'ont pas cru, mais nous avons aussi réalisé que c'est Dieu, il est vraiment fidèle, comme il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. C'est cela la sagesse, effectivement, de celui qui est sage. Donc, là, nous avons compris qu'effectivement, que les gens vils, des gens de rien du tout, les gens qui ne se considéraient pas comme étant des intellectuels, parce que c'est là que Satan, effectivement, arrive à pouvoir enfermer les gens, effectivement, pour leur montrer qu'effectivement, mais tu as un cerveau, tu es intellectuel. Effectivement, regarde comment tu réfléchis. Effectivement, tu ne vas même pas croire à des balivanes qui n'ont pas été prouvées même par la science, parce que, au stade où nous en sommes, vous direz, mes frères, mais en fait, ce que je voulais vous poser la question, vous dites, mes frères, comment à cette époque-là aussi, mais bon, dites-moi quand même comment on a construit les pyramides. Donc, jusqu'aujourd'hui, on fait des recherches pour savoir comment on a construit les pyramides. On n'arrive même pas à pouvoir comprendre comment ces blocs sont montés jusque-là et puis comment ils sont vraiment les unes sur les autres, effectivement, et de telle sorte que quand on les met là, et puis avec la base et tout ça, ils ne comprennent pas. Il faut des recherches, effectivement. Ce qui veut dire que ces gens-là avaient quand même la science. C'est la science, donc, c'est la connaissance qui est tout. Donc, ayant donc cette connaissance, effectivement, cette intelligence, effectivement, ils ont observé de pouvoir voir que non, depuis que nous sommes là, et quand on fait la chose, comme on dit, 1 plus 1, nous le voyons, qui donne effectivement 2. Alors, donc, effectivement, c'est le problème, c'est que c'est pas possible, on n'a pas encore vu qu'il y ait quand même l'eau, on a observé avec des appareils, pas possible. Bon. Mais quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. La Bible dit que quand il lui dit, même si ça n'existait pas, la chose arrive. Donc lorsqu'il ordonne, elle existe. Vous savez, on peut se plaindre de nos péchés, de nos manquements, effectivement, on ne peut pas se plaindre de la parole de Dieu. Non, 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 on ne peut pas. Parce que c'est une grâce déjà que l'homme, l'être humain sur la terre, puisse avoir la parole de Dieu. C'est vraiment. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, on dit aussi que le nom de l'Éternel. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte
Et les justes, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se réfugient dedans. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils se trouvent donc en sécurité. Donc, nous comprenons que avoir effectivement la parole de Dieu, c'est une bénédiction et une protection et un refuge pour le croyant. C'est comme cela que, en ces temps-là, effectivement, pendant que les hommes avaient leur livre de science, parce que ils ont commencé à écrire depuis très longtemps avec le parchemin, que vous connaissez effectivement aussi, ainsi de suite. Donc, ils mettaient par, donc, ils étaient tellement intellectuels. Alors, Dieu qui vient, effectivement, qui parle à un homme simple, effectivement, qui ne revendique même pas des connaissances aussi extrêmes, qui était un homme simple. Et quand on le voyait, effectivement, on trouvait que ce monsieur ici, ben, ça vaut absolument rien. Vous savez, il n'est pas de la même catégorie que nous, effectivement. Mais c'est à ce monsieur-là, cet homme-là simple, effectivement, dont les saintes écritures rendent témoignage de lui d'une manière particulière. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais Noé, c'est écrit comme ça que, en son temps, Noé marchait avec Dieu. Et Noé craignait Dieu, en fait. C'est comme cela. Cet homme, il avait déjà, effectivement, en lui-même, déjà, ça c'est aussi la grâce divine de Dieu, effectivement, c'est cette connaissance qui était en fait supérieure à la connaissance que les hommes pouvaient être capables de monter des pyramides, de faire ceci, effectivement, cela. Mais c'était des hommes qui avaient une connaissance tout à fait différente, mais encore beaucoup plus élevée. Vous vous souvenez, je pense que c'était, je suppose, je ne sais plus quel jour, soit mardi ou jeudi, ou je, non, mardi, parce que entre mardi ou dimanche, où nous avons parlé de Daniel. Cet homme qui, quand on le regardait, il n'y avait rien de lui. Il n'y avait rien. Il y avait ceux qui étaient des hommes qui se mettaient des épaules comme ça, des satrapes, des astrologues, des magiciens, les soupçailleurs, c'est-à-dire que les devins, c'est effectivement. Et ces gens-là étaient autour du roi Nebuchadnezzar. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, qui montrait que nous avons donc la connaissance supérieure. Donc, nous connaissons les choses, nous pouvons vous prédire l'avenir, effectivement. Et quand le songe est arrivé, alors ils ont vu qu'effectivement que leur connaissance avait des limites, effectivement, qu'ils pensaient être supérieurs dans la connaissance, effectivement. Mais alors là, nous sommes coincés. J'aime Dieu parce que Dieu sait confondre les hommes. Coincés dans leur connaissance, effectivement. Et voilà qu'est-ce qui se passe, effectivement. Comme dit, bon, le roi, dans sa colère, il dit, en tout cas, moi, si vous ne me donnez pas le songe et l'interprétation, alors c'est la tête qui tombe, effectivement. Et voilà qu'ils sont encore revenus. Vous vous souvenez? Oh, roi, vis éternellement. Oh, roi, il n'y a pas grand roi qui ait été supérieur qu'il soit, effectivement, qui ait demandé une telle chose. Parce que ce que tu demandes, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut le savoir, excepté Dieu qui sont dans les cieux. Ah oui, parce que sur la terre, personne ne peut le savoir. C'est comme ça que Dieu a prouvé que vous avez mis la confiance dans votre connaissance. Moi, je vous prouve qu'effectivement, que la mienne est supérieure à la vôtre, effectivement. C'est Dieu qui a fait ceci, il a fait sortir un homme, effectivement, de nos Daniel. On l'a prouvé dans les Saintes Écritures. Vous vous souvenez comme on l'a lu, effectivement. C'est merveilleux parce qu'il faut continuer à lire chez vous à la maison. Vous avez remarqué, effectivement, que avec quelle détermination cet homme Daniel est venu se tenir, alors que personne ne lui avait parlé de choses, et même le roi lui-même l'avait oublié. Mais quand il s'est tenu devant le roi, il dit, mais, oh roi, sur ta couche, effectivement, il t'est monté des choses, effectivement, que le Dieu du ciel a pu te montrer ce qui allait venir, effectivement, les temps à venir. L'homme a commencé, il a d'abord entendu et vu l'assurance de cet homme, effectivement, qui était devant lui. Oh, que Dieu nous aide. Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme, mon frère, en tant qu'un fils de Dieu? Nous devons savoir que nous avons plus que ce que le monde peut nous donner. Et la Bible dit que dans 1 Jean 4, c'est lui qui est en vous, c'est lui qui est en toi, mon frère. Et lui qui est en toi, ma soeur, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc vous avez les pouvoirs plus que Satan, mon frère et ma soeur. Parce que vous pouvez chasser ces démons. Bien sûr. Le maître, notre Seigneur, nous l'a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire que s'il a dit, la chose est accomplie. Donc, nous devons réaliser, comprendre, effectivement, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des mendiants. Non, nous sommes des princes et des princesses, des fils de Dieu, effectivement, aussi. Oui, oui, certainement, c'est vrai. Et c'est là que Dieu leur a prouvé que, oui, vous avez dit qu'il faut que ce soit un Dieu qui descend du ciel. Et bien, je vais vous le prouver.
C'est comme ça que Daniel s'était dit là, en lui faisant comprendre, effectivement, il t'est monté des pensées et tu as vu une grande statue avec une tête d'or. Oh! Lorsque cet homme a commencé à parler du statue avec les pieds, il dit, tu as vu ses bras. Et l'homme a commencé, oui, c'était vrai. Il a commencé à trembler, ses pieds s'entrechoquaient. Frères et sœurs, il a compris que ici, je ne me tiens pas devant un homme, je me tiens devant Dieu. La preuve, c'est que dans le chapitre 4, il a fait la statue de Nebuchadnezzar, la statue comment il s'appelle effectivement aussi? Belshazzar, c'était qui? C'était le nom de Daniel. C'était la statue de Daniel. Il a dit que, au son de Psalterion, vous entendez cela? De toutes les nations, de tout le peuple, effectivement, quand on entendrait cela, ah oui, c'est la vérité. Regardez bien, juste que Dieu te bénisse. Et voilà que, je crois que c'est Daniel au chapitre 4, je pense que je suis au chapitre 3, chapitre 10, moment. On va peut-être le trouver ici, ben, si vous le trouvez, vous me montrez. Juste pour lire, pour que, vraiment, que nous puissions regarder cela. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et c'est cela, parce que chapitre 3, je pense que c'est cela. Oui, chapitre 3. Ah ben, c'est chapitre 3, parce que chapitre 2, il a expliqué cela. Yeah. Juste quelques portions, verset 36 du chapitre 2, il dit, voilà le songe. Et puis, d'abord, c'est le verset de la dernière, verset 29, alors, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Ô roi, il me dit, ô roi, voici donc, tu voyais une grande statue, et cette statue était immense et d'une splendeur, verset 31, extraordinaire, elle était debout devant toi, et son aspect était, alors il décrit la statue, et l'or et les reins, voilà donc. Et puis, après avoir dit verset 35, il dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent donc brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta, et nulle trace n'en fit trouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit donc toute la terre. Verset 36. Voilà donc le songe. Et puis il dit, nous en donnerons donc l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Nous l'avons lu effectivement aussi. Il dit, après toi, après toi. Alors maintenant ici, au verset suivant, nous lisons à partir du verset 44, il dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous vous souvenez encore? Nous avons eu cette prédication ici, dans les temps de ces rois-là, que Dieu vous bénisse. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et détruira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est comment? Gloire à Dieu, certaine. Donc il n'y avait pas d'incertitude. Vous devez être des hommes et des femmes fermes. Et maintenant écoutez bien la suite. Oh, alors le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fit? Le roi tomba sur sa face et se prosterna devant qui? Daniel. Et puis, et oui, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. C'est normal. Eh bien oui, on lui ordonna, il est tombé sur son visage, il s'est prosterné devant Daniel. Bien sûr que les astrologues, les magiciens, tous les savants là, ne pouvaient jamais connaître cela. Effectivement, mais il n'y a qu'un Dieu du ciel qui descend, effectivement, qui peut te donner l'explication, même le songe en question. Eh bien, il y avait un Dieu sur la terre. Oui. Nebuchadnezzar, un roi, est tombé de sa chaise. Et il s'est incliné devant qui? Mais devant Daniel. Et qu'est-ce qu'il a ordonné? Qu'on fasse quoi? Regardez très bien. Le roi, il ordonna qu'on lui offre quoi? De sacrifices et de parfums. Mais on offre des sacrifices et des parfums à qui? À un Dieu, c'est sûr et certain. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, frères et sœurs. Et puis maintenant, comment? Écoutez ce qu'il dit. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur de roi, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit dénombrer ainsi, ainsi. Alors maintenant, chapitre 3, maintenant verset 1. Vous voyez bien? Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or
haute de 60 coudées et large de 6 coudées, il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le conseiller, les trésoriers, le jurisconsulte, le juge et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges effectivement et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar et ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Alors, un héros cria à haute voix et dit, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la centurion, de la stronomuse, effectivement, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qui a été élevée, qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Maintenant, regardez très bien. Au chapitre 4, verset 1 dit, Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands et que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, sa domination subsiste des générations en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, je leur dis le songe, et ils m'en donnent le même point l'explication. Et en dernier lieu, se présenta devant moi, nommé Daniel, écoutez bien, Daniel nommé qui? Belshazzar, d'après les noms de qui? De mon Dieu. Et qui a l'esprit de Dieu Saint, de Dieu Saint. Et je lui dis donc le songe. Bon, c'est vrai que quand nous lisons, regardez très bien, vous comprenez très bien ici. Et là, nous comprenons d'abord ce que je disais pour que vous compreniez que Belshazzar était bien le nom de Daniel. Et que, effectivement, que la statue qu'il avait faite, c'était la statue de Daniel. Donc, il a donné que tout le monde sur la terre puisse adorer Daniel. Bon, évidemment, Daniel, lui, ne pouvait pas accepter cela. Mais c'est pour que vous puissiez voir, effectivement, l'impact que vous pouvez avoir, effectivement, dans le monde. Bon, quand vous avez entendu le songe, effectivement, j'ai dit le songe, effectivement, bon, ne vous inquiétez pas. Ceci n'est pas le songe qui était dans le chapitre 2. Ceci est un songe qui est dans le chapitre, qui vient, c'est un songe qui a la vie des grands arbres. Un grand arbre, oui, vous pouvez lire chez vous, là, mais je ne sais pas si vous m'avez dit, mais là, on a dit qu'il n'avait pas le songe, il a dit, ce sont des songes différents. Donc, le chapitre 4, ce sont des songes différents. Donc, effectivement, c'est pour que vous puissiez voir que Belshazzar, c'était effectivement le nom qu'on avait donné à Daniel. Pourquoi? Parce que ils ont vu que dans cet homme, il y avait quelque chose de très puissant. Frères et sœurs, qui est réellement en toi? C'est ça que nous pouvons voir. Et que Dieu bénisse mon grand ici, il m'a même fait la copie ici, et aussi que Dieu bénisse Anna, et aussi Solomon qui aime bien chanter ce cantique aussi. Il dit ici, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, le sourd entend par sa puissance. C'est cela, non? Et par sa puissance, il transforme, c'est ça? Ah, il faudra que Anna revienne. Hein. Par sa puissance, il transforme. Ah, que la chorale revienne aussi. Par sa puissance, il guérit une maladie incurable. Bon, j'ai vu comment il a toutes les maladies. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qui peut le faire? Mais c'est celui qui a dit que, il dit, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu même l'enfer. Je tiens les clés de la mort et des séjours du mort. Amen. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Celui-là est en toi. Oh. L'apôtre peut dire, mais oh mort, où est ton aiguillon? Gloire à Dieu. Frère et sœur, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Nous passons simplement, nous nous endormons pour rentrer chez nous. C'est pour ça que nous sommes des pèlerins et de voyageurs. Nous respectons ce que l'environnement dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas être des gens irrespectueux parce que nous sommes le peuple de Dieu.
on respecte les principes. Vous savez, on rend César ce qui est à César. Mais nous avons un royaume auquel nous appartenons. C'est pour ça que nous sommes des étrangers, des pèlerins. Il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu réalises que tu es un pèlerin, tu es un étranger. Et quand tu es un pèlerin, un étranger, c'est vrai que tu comprends cela, alors tu peux supporter les souffrances. Ah oui, parce que tu dis, ce n'est pas chez moi. Et puis, je ne suis pas non plus quelqu'un qui n'a pas un chez lui. Ah oui, il nous a donné une belle promesse en disant, oh, que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il nous avait dit, non? Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. C'est pour ça que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais être troublés, peu importe. Parce que la Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Toujours il est confiant en celui en qui il a placé sa foi. Donc effectivement que nous sommes appelés, et ne pas oublier cela, à pouvoir toujours être des hommes et des femmes de paix. Partout où nous passons, jamais apporter des troubles. Parce que nous, sur la terre, si les hommes qui parlent effectivement, ou qui, et les femmes aussi qui parlent du mal, de Dieu, ils veulent voir Christ notre Seigneur. Mais ils vont le voir où? Dans les arbres? Dans les instruments? Non, ils vont le voir dans ma soeur, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Ils vont le voir dans mon frère, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, il veut voir Jésus-Christ. Pas des comédiens, parce que les comédiens, il y en a beaucoup. Mais il veut voir des hommes et des femmes réellement dans lesquels. Parce qu'il a dit, mais s'il consent à donner sa vie, ce n'est pas une histoire. S'il consent à donner sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il verra une postérité, Ésaïe 53. Et il prolongera ses jours. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons habiter où c'est? En lui. C'est pour ça qu'il a dit, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Il a prié en disant, Père, je leur ai donné quoi? Par la théologie, non. Les paroles que tu m'as données. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont reçu cette parole. Ils sont restés enracinés. C'est pourquoi le monde le hait. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une relation hein, qui fait que nous ne sommes pas comme dans une université, mais nous sommes effectivement dans la maison du Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce qu'il cherche pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur? C'est la douleur du cœur. Ce que tu sois aussi une partie de la parole de Dieu. Parce que, étant cela, quand la plénitude vient, nous sommes réellement la parole. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça que nous devons être identifiés, comme nous l'avons entendu, effectivement, il dit, mais bien-aimé, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que quoi? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc ce n'est pas une histoire, mon frère. Vous savez, le père naturel peut t'abandonner. La maman naturelle peut t'abandonner. Ta famille naturelle va te rejeter, effectivement. Mais tu as un père. C'est ce père-là, tu es né de lui. Ah oui, il nous a engendrés. Jacques chapitre 1, verset 4. Il nous a engendrés par sa parole. Et nous sommes venus par ce moyen qui est réellement la volonté parfaite de Dieu lui-même. Eh bien oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, parce que depuis la chute, la naissance est venue par le moyen du sexe. Vous connaissez cela? Vous savez ce que c'est le sexe? Donc, tout le monde sait. Donc, par le moyen du sexe. Papa, maman, bébé vient. Mais vous remarquerez très bien que le Seigneur, notre Dieu, a prouvé comment il voulait que la chose soit faite selon sa volonté. Lorsque l'ange Gabriel va voir Marie, il dit à Marie, mais tu vas devenir enceinte. Marie dit, non, c'est pas possible, parce que bon, je suis vierge, je ne connais point d'homme, et je sais que depuis le monde est monde, pour que je puisse avoir un bébé, il faut quand même que Joseph soit là. Et l'ange lui dit, mais parce qu'il dit, mais, parce que ça dit non, l'ange lui dit non. Marie, oui, parce que toi, nous aimons Dieu, il faut l'aimer, frère. Ne vous découragez jamais. Peu importe les circonstances du monde, même peu importe les difficultés, vous pouvez rencontrer, aimer toujours Dieu. Parce que si Dieu ne vous abandonnera jamais, il vous fera toujours sortir du trou dans lequel. Vous vous rendez compte, si moi je peux avoir compassion d'un homme ou d'un frère, moi qui suis mauvais, et c'est vrai, moi qui suis mauvais, et Dieu qui n'a même pas une petite parcelle de mauvais en lui, ne puisse pas arriver à pouvoir voir tes douleurs à toi, frères et sœurs qui souffrent à cause de la parole de Dieu. Mais il va t'élever.
un jour viendra, mais il va le faire. Effectivement, oui, parce que c'est Dieu, comme nous le disons avec Gabriel. Dieu a toujours dit, effectivement, que je vais sur ma parole. Jamais il ne veillera sur autre chose. C'est sûr que... Non, il ne pourra pas veiller sur quelque chose d'autre. Dieu ne veille pas sur moi. Vous pouvez remarquer que depuis votre naissance, vous êtes passé par des trucs, comme nous l'avons parlé une fois, la fois passée, je croyais entièrement. Les amis ou même les bébés qui sont nés aussi en même temps que vous sont passés, ils sont morts et tout ça, même dans, en grandissant un peu, ils sont morts. Mais vous êtes tombé malade, même des maladies les plus profondes que les bébés pouvaient passer. Vous n'êtes pas passé. Vous avez grandi effectivement dans des conditions difficiles. Vous trouviez, vous ne pouvez pas expliquer, mais il y avait comme quelque chose qui vous entourait. Vous direz, mes frères, vous nous avez dit, mais c'est pour ça que vous écoutiez. Oui. Et c'est là, depuis que vous êtes né. Même vos parents ne pouvaient pas comprendre. Quand ils vous regardaient, ils vous trouvaient un peu bizarre. L'exemple biblique, mais c'est David. David, effectivement, dans sa famille. Ils avaient des frères, ils avaient des sœurs, effectivement. Enfin, des frères, comme on le sait effectivement dans les Saintes Écritures. Et David était un peu bizarre, particulier, par sa façon d'être. Ce qui faisait que, même dans la famille, on trouvait qu'il est toujours un peu bizarre, il s'aimait toujours à l'écart. Et il aime toujours être avec des moutons. Nous voulons des fancy parties, être dans des boîtes, ça va faire ceci, faire la vie, sortir, mettre les trucs, mais il s'occupe pour impressionner les gens. Mais lui, il ne s'occupe pas. Même la tendance à la mode. C'est bizarre qu'il est jeune, mais il se comporte comme un vieux d'une certaine manière ou d'une autre. Dans les psaumes 139, on nous dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous venons de lire psaume 139. Regardez. Psaume 139, oui, c'est cela. Voilà. Psaume 139, il nous dit, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Vous y êtes, c'est comme ça chez vous aussi, non? Et il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme ici le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » N'est-ce pas vrai? Alors, nous prenons dans le livre de Romains, je pense que c'est cela, que vous trouvez cela, que Dieu nous aide. Romains, c'est ça, catégorie. Voilà. Romains, c'est ça, voilà. Voilà. Et voilà. Romains chapitre 9. Il nous dit ici, verset 9. Voici donc la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Vous y êtes? Et Sarah aura donc un fils. Je reviens à cette même époque. Sarah aura donc un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac. C'est important, non? Qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car, vous avez entendu, vous comprenez, j'aurais dit encore bien, peut-être, attention, mais, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Et puis, il continue en disant, car, vous avez compris,
qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Donc, le papa qui a déposé la semence était Isaac. Donc, Isaac, c'était qui? Mais l'enfant de la promesse. Isaac était celui que Dieu aimait, parce qu'Isaac était un élu de Dieu. Est-ce que vous suivez? Mais regardez bien comme il fait comprendre. Il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Est-ce que vous comprenez? Donc, conçus dans les... Nous l'avons dit, psaume 139, non? Formé, c'est toi qui m'a... Et c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Et alors maintenant, il dit, les enfants n'étaient pas encore nés. Donc, déjà conçus, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Voilà, tout le monde est là. Donc, les enfants, donc, dit, mais, donc déjà qu'on dit, mais, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien, ni mal. Donc, aucun acte n'a été posé. Mais c'était à l'intérieur. Conçus déjà. Et puis il dit, écoutez bien, entre parenthèses, afin que, c'est là l'important, les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qu'il appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ça veut dire quoi que vous n'êtes pas vraiment devenu de fils et de filles de Dieu quand vous avez dit que nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous avez dit que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel, effectivement, en fait, vous avez reconnu votre nature. C'est-à-dire que fils de Dieu, effectivement, parce que mon frère et ma soeur, vous pouvez dire, ah, c'est, ça trouble un tout petit peu. Non, il faut que vous compreniez les choses. Quand on dit fils de Dieu, c'est qu'il veut dire que on est né de Dieu. Parce que si on est né de Dieu, ça veut dire que nous sommes des fils de Dieu, puisque la Bible le dit effectivement, comme la parole de Dieu le fait savoir. Si nous sommes nés de Dieu, alors nous devons avoir la nature de Dieu, donc nous sommes donc des dieux. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est Dieu lui-même. Or, nous savons que la vie éternelle n'a ni commencement, ni fin. Donc, il ne peut pas avoir un début. Et comme ça ne peut pas avoir un début, donc ça n'aura jamais de fin. Ce qui veut dire que personne ne peut recevoir la vie éternelle. Et pour croire à la recevoir, ce que tu dois avoir toujours été éternel. Et je ne sais pas si cela est compris, ça trouble, je comprends cela, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mes brebis, c'est-à-dire qu'il connaissait ses propres brebis. Et comme il dit, mais c'est comme un berger qui a 100 brebis et qu'il en perd une. Il va laisser les 100, les 99, pour aller chercher celle qu'il a perdue. En fait, on ne peut pas venir chercher quelque chose qu'on n'avait jamais possédé. On cherche toujours quelque chose qu'on avait possédé. Et qu'on a perdu, effectivement, aussi. Ce qui veut dire que, et puis ça s'est clarifié encore dans Éphésiens, chapitre 1, qu'on avait dit, mais en lui, Dieu nous a élus. Quand nous avons cru, ce n'est pas moi qui dis. Avant donc la fondation du monde, avant que toi tu saches que le monde existe, avant même que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà élu. Donc, quand ta maman t'a mis au monde, Dieu veillait. Ah oui, pourquoi? Parce que c'était la parole là-dedans. C'est cela, monsieur. Pourquoi vous ponctuez de la main, effectivement, quand on dit Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Parce que vous êtes une partie de la parole, c'était écrit en vous. Oui, monsieur. Oui, réveillez-vous, frères et sœurs. C'est pas un jeu. Non. Dieu est en train de réveiller, pas tout le monde, messieurs. Non, il réveille ceux qui sont à lui. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'ils doivent rentrer. Écoutez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire que je rentre à la maison si vous n'avez pas une maison ou quelqu'un. Mais c'est vrai, cela. Parce que vous devez avoir un chez vous. Pourquoi nous disons que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre? C'est écrit dans les Saintes Écritures. Hein? Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y a une musique de pouvoir dire non, 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 non.
ce monde n'est pas notre lieu, en fait. Mais il a dit lui-même, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans Jean chapitre 17, dans sa prière, il dit, mais même les disciples disent, nous croyons que, maintenant, nous croyons, nous n'en pouvons plus douter, effectivement, parce qu'il dit, mais ils ont cru que je suis sorti de toi, que je retourne aussi à Dieu. Il a dit cela. Où est-ce qu'il pouvait encore retourner? Mais c'est là où il vient. C'est pour ça que nous devons comprendre la grâce divine que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que quand on prêche la parole de Dieu et qu'on dit à quelqu'un qui était dans les ténèbres, effectivement, parce que aveuglé, on lui dit, mais pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, tu as salut. Parce que cet homme-là, cette femme-là a besoin du salut parce que lui, il n'a pas sa place, effectivement, dans la dispersion, dans la dispersion. C'est parce que dans son intérieur, dans ce qu'il est, la nature qui est là, c'est de pouvoir voir Dieu. Avant même que les enfants puissent faire le bien ou le mal, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. En fait, ça ne dépend pas que, j'ai fait beaucoup, je prie beaucoup, comme ça je vais aller au ciel. Non, monsieur. Ça ne veut pas dire non plus que si tu ne pries pas beaucoup, ça veut dire que tu vas quand même aller au ciel. Non, monsieur, quand tu es un élu de Dieu, tu vas prier. Ah, bien sûr, parce que là, on va pas te forcer. Toi-même, tu peux dormir comme un mort, mais tu sens comme quelqu'un qui te réveille. Pour quelle raison? Je dis, mais toi, tu peux pas dormir comme des morts, tu n'es pas un mort, tu es vivant. Lève-toi et prie. Je suis certain, oui. Il y en a des gens qui se mettent les tombacs là pour dormir jusqu'à 9h ou 10h du matin. Non, monsieur, tu n'as pas besoin de ça. Oui, c'est vrai, je comprends qu'il faut ce moment. Mais toi, ton sommeil à toi est contrôlé par Dieu. C'est vrai, frère. On a besoin. Oui, c'est vrai, frère. Il y en a de ceux qui vont commencer à discuter. Moi, je ne discute pas les choses de Dieu. Dieu, quand tu te donnes à lui, c'est vrai, nous sommes des hommes, nous subissons tout ce qu'il y a sur la terre, les vieillissements, les ceci dans le corps, ça vieillit, évidemment aussi les transformations, ça doit se transformer. Mais il y a quelque chose de tout à fait différent que nous possédons. Et bien, qui peut même stopper les vieillissements? Oui, monsieur, parce que en fait, nous possédons déjà la guérison. Mais la maladie peut venir. Hein? Ah oui, parce que pourquoi? Nous sommes dans un corps semblable à tous les êtres humains. Ce corps subit parce que je ne vais pas être vraiment moi. Non. Dieu permet cela aussi. Pour démontrer effectivement que tu as quelque chose. Oui, mon frère et ma soeur, nous avons quelque chose de tellement si important. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous disent qu'effectivement, que à ceux qui l'ont reçu, nous avons besoin de... Parce que si vous ne le recevez pas, la couverture ne pourra jamais être enlevée. Oui, parce que vous dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore, frère? Mais qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Jean 3. Si un homme n'est né de nouveau, ni voir, ni comprendre. Un homme. C'est pour ça que Nicodème était troublé. Ah, dans sa théologie, dans sa doctrine, qu'il avait dit, Rabbi, comment moi qui suis un vieux comme ça, dois-je rentrer dans les seins de ma mère? Parce qu'il fallait une nouvelle naissance. Et que quand tu le reçois, alors la couverture, effectivement, qui bloquait, effectivement, la nature, la vie qui est à l'intérieur, elle est partie. C'est pour ça que, quand on peut comprendre pourquoi le baptême, nous sommes ensevelis avec lui. Le baptême est la démonstration de ce que la puissance de Dieu, la grâce divine de Dieu, fait à l'intérieur de l'homme qui est un croyant. Ce sont des théories que vous connaissez, mais vous devez comprendre, effectivement, que c'est vraiment une réalité. Mort, c'est-à-dire que tout ceci reste. Et celui qui va sortir maintenant, c'est qui? C'est pour ça que j'aime beaucoup mon précieux frère Branham, que Dieu le bénisse richement. Mais je ne suis pas branhamiste. Non, 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 non.
Mais j'aime cet homme, que Dieu soit béni pour nous avoir envoyé un puissant prophète. Alors, c'est ce qu'il dit, il ne faut pas qu'on baptise un pêcheur sec. On le fait dans l'eau et puis on le fait sortir pêcheur mouillé. On baptise un pécheur qui s'est repenti, qui a compris qu'effectivement, Seigneur mon Dieu, oh, que tu aies pitié de moi. Maintenant, quand tu reçois la repentance, de pouvoir te repentir, c'est une grâce divine de Dieu. Alors cet homme, il dit, mon Dieu, ce monde dans lequel je me suis attaché, parce qu'il faut que ça vienne de toi, mais tu dois réaliser. Comment tu peux le réaliser? Mais c'est quand la parole rentre en toi. Avant ça, tu ne peux pas réaliser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux. Ils viennent dans la religion parce qu'ils ont peur d'aller dans l'enfer. Mais un croyant qui a déjà reçu le Seigneur, il n'a pas peur de l'enfer parce qu'il sait 100% très bien que l'enfer n'est pas fait pour lui. Ça c'est, non, ça c'est une conviction. Tu ne peux pas te forcer pour dire, ah, j'irai pas en enfer. Si c'est comme ça, il y a un petit souci quelque part. Parce que moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas l'enfer. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment veux-tu que je marche, Seigneur mon Dieu? Je veux vivre pour ta gloire. C'est-à-dire que le désir de toujours plaire à Dieu. Donc l'enfer ne me préoccupe pas parce que je n'ai pas perdu mon temps. Pour cela, ce qui me préoccupe maintenant, c'est que je vais être semblable à lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait sortir d'un endroit. Il m'a placé quelque part. Maintenant, mes objectifs. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand on parle du Seigneur Jésus, ce n'est pas les Jésus des églises et tout ça. Non, c'est Jésus-là, il ne fera jamais de vous un fils de Dieu, une fille de Dieu. Il va faire de vous simplement un bon chrétien, enfin, comme on appelle un bon membre d'une dénomination, soit baptise, ceci et cela, pour dire, je suis baptiste. Donc, c'est Jésus de baptiste fera de vous, n'oubliez jamais cela, fera toujours de vous un baptiste, jamais un fils de Dieu, jamais un fils de Dieu. Jésus de Pentecôte, la même chose aussi. C'est pour ça que nous parlons que les Jésus de la Bible, le Dieu tout-puissant qui a la capacité de voir te transformer, mais c'est celui-là, quand tu le reçois, tu deviens vraiment un fils de Dieu. Parce que lui-même, il est le fils de Dieu, il a la parole de Dieu, donc il ne peut faire de toi que de la parole, effectivement. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il dit que ce n'est plus moi qui vis. Depuis les jours où il a accepté Christ, il a été baptisé, il dit, mais je suis mort, donc le monde est derrière moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cette nature-là qui était en vous, en fait. La parole de Dieu en vous. Oui, mais c'est pour ça que la Bible dit, mais une semence, si elle n'a pas de germe de vie en elle, vous pouvez la planter, elle ne donnera absolument rien. Et Jésus-Christ est le germe de vie. Donc quand il va, il rentre, effectivement, il dit, gloire à Dieu. Les choses que tu ne voyais pas, tu commences à voir, dire, pourquoi? Parce que tu as eu à pouvoir avoir maintenant voir les yeux que ton Père t'avait donné avant que tu sois dans ce monde dans lequel. Pour ça que vous comprendrez très bien, il a bien dit clairement, il dit, mais tu as été tiré de la poussière, tu vas tourner à la poussière. C'est prépare dans ce corps ici que vous pouvez espérer aller voir Dieu, vous pouvez espérer vivre avec Dieu. Non. 1 Corinthiens chapitre 15. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire que Adam formé de la terre. Parce que d'abord, il était esprit. Nous avons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Ce qui est écrit donc. Avec des membres. Maintenant, vous comprenez qu'il forma parce qu'il devait entrer en contact avec les choses, qu'on puisse le voir et les toucher. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous le faire savoir. Frère, ça vous le savez, c'est vous. Que. Je suis une personne qui se tient devant vous. Vous me connaissez? En réalité, vous ne me connaissez pas. Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est que la peau qu'on a mise pour que vous puissiez à ce moment toucher, en fait. Mais la véritable personne, elle est à l'intérieur. Parce que la peau ne parle pas, monsieur. C'est lui qui est à l'intérieur qui fait boucher les lèvres. Vous comprenez? C'est ce que vous êtes, en fait. Ça ne peut pas parler, ça ne peut pas exprimer. Mais c'est celui qui, à l'intérieur, qui fait bouger tout ce que vous voyez. Et pourquoi? Ça ne sert à rien de détester un frère, parce que tu ne sais pas ce qu'il est en fait. Mais c'est ça. Donc, nous devons, parce que, oh, la couleur bleue, la couleur jaune, parce que je ne t'aime pas, parce que tu as la couleur fausse. Je dis, Seigneur, pitié, parce que, ah, que Dieu accorde la grâce
En fait, sur cette terre, je pense que je l'avais dit l'autre fois, en citant que notre frère est celui qui avait déclaré effectivement qu'un noir ne peut pas se marier avec une blanche comme une blanche ne peut pas. Mais c'est l'hérésie totale, en fait. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. La Bible dit que tous les hommes issus d'un seul sang, où est le noir, où est le blanc, où est le jaune, où est le rouge. C'est en fait, vous savez, c'est simplement l'environnement qui influence les gens dans la façon de pouvoir voir. Moi, j'ai toujours posé la question, où voyez-vous les blancs? Où voyez-vous le noir? Moi, je ne vois pas des blancs, je ne vois pas des noirs, je ne vois pas des jaunes. Vous savez ce que moi je vois? Je vois seulement des êtres humains. Et puis on dit, chaque segment vous donne son espèce. Je reviens parce que je pense que c'était des questions qui étaient dans la tête des gens. Chaque segment vous donne son espèce. Ah, donc il y a la semence blanche, la semence noire, la semence jaune. Je voudrais voir dans les saintes écritures où il est bien écrit qu'il y a la semence noire, la semence jaune, la semence rouge, la semence verte, la semence violet. Parce que si vous mélangez les semences, alors ça s'appelle l'hybride. Non, c'est vrai. Vous prenez le poire avec les pommes, la semence vous mélangez, c'est de l'hybridation. Ça, vous savez. Parce que ce qui est dans la poire, c'est pas ce qui est dans la pomme. Bien que ce soit des fruits, ce sont des semences différentes. Je pose la question de pouvoir savoir si l'homme est une semence qui est, par exemple, l'homme blanc, c'est une semence tout blanc, puis bon, la semence du noir. Et si même on se pose la question de savoir d'où viennent ces deux, trois semences, parce que si nous nous posons la question. Vous savez, il y a des choses qui sont simplement simples à pouvoir. Pas aller trop loin. Et d'abord, nous descendons de qui? Bon, si vous vous descendez des singes, pas moi. Parce que moi, un singe reste un singe animal jusqu'à aujourd'hui. Exact. Il y a eu Adam et Ève. Tu as créé Adam, puis lui donner une épouse du nom de Ève. Vous connaissez cela, non? Et les livres de la vérité, personne ne peut arriver à pouvoir me démontrer le contraire. Bien sûr que non. Je me suis souvenu d'une chose qui... Je ne vais pas vous attendre longtemps, mais nous devons glorifier le Seigneur et puis apprendre de Dieu. Je me suis souvenu de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait un monsieur là, parce que vous savez, c'est toujours là-bas, parce qu'ils sont tous un peu problématiquement malades, tout ce que ce soit, ce qui s'appelle les blancs, ce qui s'appelle les noirs, ils ont tous les deux un problème. On devrait quand même instruire ces gens. Mais je ne peux pas comprendre comment ces gens-là, qui disent, ah, nous les blacks, mais qu'est-ce que c'est que nous les blacks? Moi, je ne sais pas. Et puis tu vas là avec les blacks. Oh. Alors nous les blancs. Vous allez avec les blancs où? Ça va faire quoi? Ça va servir à quoi? Je ne sais pas. Enfin bon, bref, nous, c'est important, je ne sais pas, mais on doit quand même. Alors, ce monsieur-là, il se regardait et dit, moi je suis blanc 100%. Un noir, c'est un négro, c'est quelqu'un qui, il est, si c'est sous-homme, c'est pas parce qu'ils ont des qualificatifs, parfois parce que quand ils disent ça aux autres, mais ils sont tellement, quelqu'un qui te dit, tiens, moi je te vois sous-homme. Moi, sous-homme de qui? Sous-homme de toi. Et moi, je dois perdre mon temps pour pouvoir dire, hé, moi je suis pas sous-homme. Je dis, mais il y a un dicton qui dit, ça c'est dans mon univers, les chiens aboient, la caravane passe. Ça veut dire qu'il est dans ses rêveries. Vous voulez laisser, pourquoi perdre votre temps à les discuter avec une telle personne? Ça ne sert à rien. Et si vous entrez dans cette séduction, ça va vous montrer effectivement que vous aussi, vous avez un problème. Ah oui, parce que non. Mais il vous dit ce qu'il est en train de devoir vous dire. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous gardez votre calme, vous passez votre chemin. Ça ne sert à rien. Mais c'est le fait de ne pas répondre à les personnes qui montrent ce que vous êtes. Et la personne se sent mal à l'aise en son intérieur, ça va lui pousser à pouvoir réfléchir. Pourquoi vous vous sentirez complexé? Pourquoi? Le complexe est un démon, en fait, un esprit mauvais. Regarde, d'ailleurs, chez nous ici, chez nous en Belgique, parce que nous sommes belges, nous ne sommes pas des étrangers, enfin, nous sommes belges. Chez nous donc en Belgique, moi j'habite aussi en Flandre. Il y a la communauté flamande et puis la communauté wallonne. Déjà chez nous ici, les flamands disent aux wallons. Ils ont aussi même couleur, même peinture.
Mais vous, il les traite de moins que rien. Il montre qu'effectivement, que, ils disent que nous, nous sommes supérieurs, vous valez absolument rien du tout. C'est toujours dans la tête de la personne. Bon, alors, aux États-Unis, pour revenir à ce que nous disons, il a dit, oui, ce monsieur dit, mais moi, je suis blanc, les nègres sont des nègres, sont des noirs, effectivement, ce sont des personnes auxquelles, ah là là, mais moi, c'est vraiment, vous connaissez les dictons, enfin, les adjectifs, effectivement. Et voilà qui s'est passé une chose. C'est quoi? Il y avait donc une émission, cette émission-là faisait les tests qu'on appelle d'ADN. Pour savoir, effectivement, d'où l'origine de vous, ainsi, effectivement. C'est là. Alors, on a appelé ces messieurs-là, on a dit, bon, vous dites, ah oui, moi je suis, parce qu'ils ont une thème, si c'est blanche comme ça, qu'ils ont une thème, c'est blanche comme ça, on a dit, bon, vous voulez participer quand même à cette émission? On a dit, oui. On a dit, ok, on va faire donc, on va prélever donc l'ADN, on va donc voir qui sont donc vos descendants, sur les plateaux, hein. Ils sont allés avec l'ADN, effectivement. Et ils ont commencé à pouvoir faire des tirs. Et puis, bon, les résultats sont arrivés. Et les présentateurs, c'était vraiment la télévision américaine. Le présentateur dit, voilà, bon, vous, vous êtes des extrêmes qui détestent les Noirs, parce qu'en fait, vous dites, ah oui, c'est vrai, ce ne sont pas des blablabla, monde sur les Blancs, c'est les Blancs, blablabla. Ok, il dit, bon, on a regardé dans votre ADN. En fait, on veut vous annoncer la nouvelle. Vous allez dire, oui, je sais, je suis toujours 100% blanc, pas de problème, parce que ma mère blanche, et puis mon arrière-grand-père aussi, blanc, 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 donc je suis blanc, 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 tout blanc. Ok. Et quand on a regardé dans son généalogie, on a dit, monsieur, vous êtes 50% blanc, 50% noir. Parce que dans tes arrières, il y a eu un noir. Alors déteste-toi maintenant, puisque tu y as effectivement cela en toi. C'est pour montrer qu'effectivement que tout être humain sur la terre, nous descendons d'une seule personne. C'est pour ça que quand Dieu nous ouvre les yeux, nous comprenons effectivement les choses de la bonne manière, alors nous réagissons effectivement de la manière que Dieu... Donc, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Je veux dire que Dieu a fait de toi un fils de Dieu. Étant un fils de Dieu, il a placé en toi quelque chose qui fait qu'effectivement, que dans toutes les circonstances, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas te laisser, toi mon frère, toi ma soeur, tu ne pouvais jamais mourir sans avoir reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu devrais entendre, et vous me direz, mes frères, frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez depuis quand, effectivement, l'évangile a été prêché et quand Christ est venu dans le monde, effectivement? Parce que depuis les temps, parce que Dieu est très sage, la Bible nous dit que la loi était un gardien. Un pédagogue qui nous gardait. Parce que regardez très bien, vous n'avez pas posé la question, mais frère, quand même, je vais vous rappeler des hommes que j'ai cités tantôt comme David. David était un élu des dieux. Est-ce que vous comprenez? Tout cela, Abraham et tout, et tout, et tout, étaient tous des élus des dieux. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu la chute. J'ai parlé tantôt de Christ, effectivement, je dis cela. Eh bien, tous ces hommes-là, partis. Mais ils sont partis où? Ils sont morts dans la foi. Quelle était leur foi? Ils attendaient que le Messie vienne. Est-ce que vous entendez cela? Donc là où ils sont partis, c'est pour ça qu'on appelle les lieux, c'était les saints d'Abraham. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Parce que quand il parlait d'Isaac, c'était en réalité effectivement des Christ dont il parlait, effectivement. Oui, cela est écrit effectivement dans, regardez très bien, hein, dans les livres de Galates, au chapitre 3, je pense que c'est cela. Regardez bien. Galates au chapitre 3, je pense. Galates. Voilà, ici. Voilà. Ici, je vais trouver avec vous. Galates au chapitre 3. Et voilà, je pense que c'est cela. Oui. Voilà. Galates chapitre 3. Et dit. Verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Verset 16, il dit, or,
les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Qui était la descendance d'Abraham? Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure, effectivement, dans les Romains, il dit, mais il a dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Regardez très bien. Et puis, la parole de Dieu dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La Bible dit, il n'est pas dit et aux postérités, donc au pluriel. Est-ce que vous suivez? Alors, il dit, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ notre Seigneur. Donc, frères et sœurs, la Bible ne se trompe jamais et Dieu a un programme. Et Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Il a déployé cela. Déjà, comme vous pouvez le voir, nous avons dit tout à l'heure que réellement que Dieu a la capacité de pouvoir stopper même la vieillesse en vous et vous rajeunir. Effectivement, oui. Regardez très bien, nous l'avons dit, et faire des choses tout à fait particulières aussi dans chacun de nous. Puis nous avons parlé effectivement de cela. Nous avons eu à pouvoir dire effectivement que l'ange Gabriel est allé voir cette personne, demoiselle, nous reviendrons aussi, cette demoiselle du nom de Marie. Quand il a parlé à Marie, Marie lui a dit que c'est une chose pas possible parce que jamais cela. Mais quand l'ange est allé vers Marie, il y avait peut-être beaucoup de Joséphine, beaucoup de Marie, effectivement, dans ce temps-là, mais c'est dirigé seulement vers celle-là. Et ce n'était pas tombé d'adresse, en fait. Non. Quand il lui a parlé, quand Marie commençait à pouvoir lui faire savoir qu'effectivement, et ceci, vous n'avez pas remarqué que l'ange ne s'est pas éloigné de Marie. Non. Il est resté simplement toujours avec Marie. Pour quelle raison? Parce que de toutes les jeunes filles sur la terre, il n'y avait pas deux maris, il n'y avait qu'une seule Marie. Beaucoup d'autres avaient le nom de Marie, bien sûr, le prénom. Mais il n'y avait qu'une seule Marie. De l'extérieur, elle était comme toutes les autres filles, mais en fait, c'était son intérieur. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, juste après la chute, verset 15, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous vous souvenez de cela, j'en ai parlé là par ici. Donc, quand Dieu a eu à pouvoir dire que la postérité de la femme, c'est-à-dire que la femme aura une sémence, dès cet instant-là, à ce moment-là, Dieu avait déjà vu cette jeune fille-là. Et la parole qui était sortie de la bouche de Dieu avait déjà la vision de la jeune fille. Donc, elle pouvait venir au milieu des gens, elle passait, et toutes les jeunes filles, elle passait effectivement, puisqu'elle ne trouvait pas Marie, elle continuait sa recherche. Parce qu'elle avait la vision, donc c'est-à-dire qu'elle avait la photo. C'est pour ça que, autant marqué, ah, la parole est atterrie là, à qui c'est. Parce que, aussi longtemps que cette Marie n'était pas encore à l'existence, elle continue à pouvoir courir. Vous comprenez maintenant les étapes, effectivement, au monde. C'est important que vous compreniez cela. Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience. Donc, pendant ce temps-là, il y a des processus non élégants. Il y a des processus qui devaient se passer, effectivement, jusqu'à ce que, parce qu'il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Eh bien oui, c'est comme ça que les saintes écritures, c'est pour ça que nous avons la grâce d'avoir le plan, le programme de notre Dieu sous nos yeux. Et nous devons maintenant aussi entendre et écouter parce que l'auteur va nous montrer effectivement, c'est un puzzle, on place ça ici. Maintenant, regardez très bien Dieu, alléluia, gloire à Dieu, on ne voyait pas comme ça Seigneur. Oui, parce que vos yeux à vous sont devenus des yeux tout à fait, parce qu'il dit, heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez. Et qui croient effectivement. Si donc, c'est comme cela que lorsqu'il resta effectivement là, il parla en réalité à Marie, parce qu'il fallait que il savait très bien que celle-là, elle n'était pas destinée à douter de la parole de Dieu, qu'en elle s'était placée effectivement la parole de la foi. Il fallait aller effectivement et déclencher quelque chose.
qui ferait que dit alléluia. La situation, effectivement, parce que quelqu'un d'autre ne pouvait jamais accepter. C'est pour ça qu'il lui dit, mais est-ce que tu connais Élisabeth, ta parente? Donc Dieu savait qu'au temps de Marie, il fallait qu'il y ait Élisabeth. Il fallait qu'Élisabeth soit donc stérile, vieillie, pour que ça déclenche quelque chose de. Parce que c'est puissant, monsieur. Une femme qui dans toute sa vie entière, qui n'a jamais eu, il ne voit seulement que pour avoir un bébé, il faut que. C'est impossible, c'est impensable quand même, que avoir un bébé sans aller avec un homme. Non! Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas possible. Et bien, il fallait que Dieu crée quelque chose. Des événements autour, effectivement, pour que ça se dise, effectivement, dit, mais oh, oh, oh. Il dit, oui, mais oui, 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 oui. Élisabeth, là, tu la connais bien, pas parce que c'est peut-être que quelqu'un qui était dans un autre pays. Non, parce que la personne qui connaissait tellement très bien. Dieu savait ce qu'il fallait faire. Il dit, Élisabeth, ta parente, elle dit, oui, je la connais bien, elle est stérile. Il dit, non, 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 non. Elle est dans son sixième. Il dit, c'est la vérité. Il dit, oui, car rien n'est impossible à l'Éternel, notre Dieu. La bombe a explosé. C'est pour ça qu'il a dit, oh, 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 que cela me soit fait selon donc ta parole. Quand tu es un élu de Dieu, connu de Dieu, oui, tu peux avoir des moments difficiles. Le monde peut te lier. On peut être comme ça. Mon frère et ma soeur, il va arriver un temps. Parce que Dieu ne va pas te lâcher. Gabriel n'a pas lâché Marie. Non, monsieur. Il savait que celle-là, là, là, celle-ci, elle est de Dieu. Malgré le béton qui est au-dessus, là en dessous, elle est de Dieu. Oui, madame. Oui, monsieur. Il ne va pas te lâcher. Oui, monsieur, c'est pour ça que tout au long de ta vie à toi, il a toujours veillé. Tu ne comprenais rien du tout. Les gens te détestaient, mais tu voyais quelqu'un qui commençait à pouvoir t'aider à voir son lit. Mais viens, j'ai vu que je vais t'aider. Parce que ton Dieu à toi veille sur toi. Oh, frère et soeur, que son Saint-Nom soit béni. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis toujours. Parce qu'il y avait quelque chose de lui en toi. Sa parole. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, c'est sûr et certain. Avant même que les deux ne viennent au monde, Dieu avait déjà fait son choix. Avant que tu saches même lire, avant que tu saches même prier, Dieu t'avait déjà choisi. Quel bonheur. Et puis quand on peut comprendre cela, on dit, mon Dieu, quelle grâce que tu m'as accordée, cette grâce de pouvoir être choisi par toi, afin d'être un fils de Dieu, afin d'être une fille de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'irai encore chercher dans le monde? Or, ce que vous ne savez pas, le monde, le monde dans lequel vous êtes, effectivement, il veut voir, effectivement, des hommes et des femmes comme vous pour l'aider à sortir, effectivement, aussi de l'esclavage dans lequel il se trouve. Et vous, vous voulez vous identifier à celui qui aspire vers vous. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu vas te vendre à celui qui a besoin que toi, tu puisses l'acheter. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Pour quelle raison? Parce que tu possèdes ce qui est nécessaire. C'est la vérité. Oui, bien sûr, vous possédez ce qui est... Et pourquoi? Je vais terminer probablement par la balle. Mais regardez très bien. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous ont fait savoir? Tout à chacun de nous, parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, nous avons lu dans les Saintes Écritures, nous n'avons pas lu aujourd'hui, mais nous l'avons lu, vous le connaissez même par cœur, Romains au chapitre, n'oubliez jamais les Écritures. Il dit, nous savons, parce que là, la connaissance vient, nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Déjà, quand tu arrives au stade où tu peux dire et croire que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, et que toi tu fasses partie de ceux qui aiment Dieu, c'est déjà une victoire. Parce que, mon frère et ma soeur, à ce moment-là, il n'y aura pas de plainte. Il n'y aura pas de murmure. Oui. Parce que aussi longtemps que tu sais que je m'accroche à Dieu, oui, le Seigneur ne nous a jamais dit, nous l'avons entendu aussi ici, que nous n'aurons jamais des situations difficiles. Non, il a clairement dit, vous aurez des tribulations. Je peux vous montrer encore plus de choses encore dans les Saintes Écritures.
que quand vous allez l'entendre, effectivement, votre cœur va être secoué, dit, mais ce n'est pas possible. Oui, monsieur, c'est possible. Le Seigneur l'a dit. Mais non seulement il a dit cela, que vous aurez des tribulations, c'est important que vous écoutiez. Mais il a aussi ajouté, en disant, mais ne craignez point, car je vaincu le monde. Donc, quand les tribulations, donc les difficultés, les épreuves viennent vers nous, ça semble peut-être durer peut-être des années, mais nous devons toujours dire, c'est pour mon bien que tu le fais, même quand tu pleures. Même quand ça te fait mal, effectivement, tu passes par des moments difficiles et tu as dans ton corps, ici, les os qui ne sont pas tellement très bien, quand tu bouges un peu, tu as de douleur, tu te dis, Seigneur, c'est toujours pour mon bien. On va te prendre pour un fou. Et quand tu aimes Dieu, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, vous comprendrez maintenant qu'est-ce qu'il nous dit. Quand vous lisez les versets suivants, effectivement, qui nous montre en réalité que tous ceux qu'il a connus d'avance, pas au moment où tu rentres dans une église, non, monsieur. Si tu rentres dans un lieu où on prie vraiment Dieu, c'est parce que Dieu t'avait connu et que sur ton cheminement, il a veillé. Le diable voulait t'emporter là-bas et peut-être que tu as été quelque part où les gens ont voulu t'endoctriner et puis en certain moment, il vient toujours t'étirer de là, dans des circonstances tout à fait pas particulières, peut-être par un choc dans la famille, par ceci, cela, il te fait sortir, et puis il te place effectivement dans le chemin, effectivement. Oui, monsieur, oui, madame. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc, prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Malgré que tu boites dans sa façon, dans ta façon à toi de pouvoir marcher avec Dieu, mais Dieu t'a prédestiné à marcher droit. Dieu t'a prédestiné à avoir un cœur droit. C'est important que vous compreniez cela, mon frère et ma soeur. Et ce matin, je crois que vous avez remarqué que le service a été un peu différent. C'était en fait un cri de réveil. Pour toi qui es à la maison, oh, ne pense pas que le Seigneur est resté aussi en train de pouvoir. Non, 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 le Seigneur est en train de pouvoir ramener. Agir effectivement, parce qu'il ne reste pas aussi inerte comme cela, en se disant, bon, je suis dans mon fauteuil, j'ai les cacahuètes à côté, j'ai mangé, et je suis, et puis je bois mon jus de tomate, ou mon jus de pétrole, mon jus de, je sais pas, du jus que vous buvez, effectivement, et je regarde, je suis effectivement. Oh, une telle vie, effectivement, mon frère et ma soeur, si tu continues comme ça, mais tu peux oublier l'enlèvement. C'est pas, vous savez, les gens, quand ils vont dans les salles de cinéma, ils achètent des pop-corn. Donc, un peu, tu es un peu comme un frère Christian chantant, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, quelqu'un, frère Christian, vraiment, Dieu l'a oint. Gloire à Dieu, lui, il est oint ici, nous sommes bénis. Oui, bien sûr. Mais toi, tu es en train de manger des pop-corns, tu es dans une salle de cinéma, en fait. Quand, regarde les acteurs. Mais frère, il ne faut pas rester assis. Il faut rentrer dans l'action aussi. C'est important. Nous devons soupirer. Frères et sœurs, ne vous laissez pas conduire. Parce que les démons, Satan, ils cherchent à pouvoir lier les gens par les habitudes. Il va vous lier, effectivement. Bref, bon, nous revenons à cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que, comme il a dit dans le livre de Romains, puis plus loin, il nous dit une chose qui doit être importante pour nous, afin que nous sachions cela. Je relis encore cela dans Romains au chapitre 8. Romains 8, il nous dit cela. Romains 8. Et je remercie les seigneurs parce que vous avez prié pour moi. Hein? Et nous pouvons continuer. Parce qu'il me tient. Donc, et donc, vous avez prié, vous avez pleuré, effectivement. J'ai été touché quand même de voir que quand même j'ai des frères et sœurs qui m'aiment. Et vous savez, c'est une grâce quand même d'avoir des frères et sœurs qui vous aiment et qui souffrent effectivement aussi, parce que Romains au chapitre 8, il nous dit, ah, regardez bien. Ah, verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Vous connaissez ces choses, non? Et ceux qui l'ont demandé. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous, donc nous, hein, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ça doit déjà régler la question pour tout un chacun. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que le diable, il fait un travail inutile. Le Seigneur a déjà démontré ce qu'il est pour nous. Ce qui veut dire que si Dieu t'a choisi, tu auras des hauts et des bas comme tout être humain sur la terre. Mais en finalité, regardez encore une écriture. Puis je reviens ici, puis nous allons terminer, ne vous inquiétez pas. Regardez dans 1 Pierre, je pense. Regardez très bien pour que vous puissiez comprendre les choses de Dieu que Dieu nous a données déjà dans les saintes écritures, afin que lorsque nous sortirons, nous puissions vraiment continuer à pouvoir les glorifier, l'adorer et les servir encore davantage de tout notre cœur. Regardez bien, dans le livre de 1 Pierre, je pense que c'est cela. Oui, 1 Pierre, oui, je pense que c'est cela. Ah voilà, c'est 1 Pierre chapitre 5, il nous dit ici. 1 Pierre chapitre 5, il nous dit, au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous avez entendu? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, si il nous a appelé en Christ, ce que nous étions en lui, vous comprenez? Vous comprenez d'abord qui vous êtes, n'est-ce pas? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, donc, et puis il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et fera quoi? Et vous rendra inébranlable. C'est pas moi. Amen, amen. Non. C'est toujours celui-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui va vous perfectionner. C'est pourquoi on nous dit plus haut dans l'écriture, dans Romains, au chapitre 8, il nous dit, il dit ceci, verset 33, il dit, qui donc accusera les élus de Dieu? Verset suivant, il dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour qui? Eh bien oui, monsieur, eh bien oui, monsieur. L'élu de Dieu ne jouera jamais. L'élection ne peut pas échouer. En tant qu'homme, on aura des hauts et des bas, mais à l'intérieur, frères et sœurs, il n'y a aucun démon qui peut toucher. Parce que là, ce sont des mille votes. Donc le trône du jugement est descendu en toi. C'est pourquoi tu ne peux plus être jugé, puisque Christ a été déjà jugé, monsieur. Quand nous comprenons effectivement le privilège et la grâce que Dieu nous a accordé. Je dis cela, puis nous terminons. Et puis il dit verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations? Ou l'angoisse, ou la perfection, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dont les épreuves viendront, monsieur. Ah oui, bien sûr. Chaque enfant véritable de Dieu, il sait où il en est. La souffrance, on l'aura. Les injures, on les aura. La haine, on l'aura. C'est sûr et certain. Ils vous railleront tous de toutes les nations à cause de mon nom. C'est écrit dans la Bible. Hein? Et puis il dit, mais qui nous sépare donc? Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi et moi, nous puissions abandonner ces Jésus, nous séparer de lui, dire, mais je n'en peux plus, j'en ai assez, parce que, les insultes que tu vas avoir, c'est parce que toi, tu as dû goûter, en fait. Tu as regardé, tu as compris effectivement que où toi tu étais, et où Dieu t'a placé aujourd'hui, sûr et certain. Donc les insultes, c'est sûr et certain, tu les auras. Les critiques, il faut d'ailleurs que tu puisses les avoir. Il faut qu'on puisse vous détester. Si on ne vous déteste pas, c'est que vous n'avez rien de Dieu. Personne. J'étais pris de les préserver du mal. Car puisqu'ils ont reçu ta parole, le monde les a aimés. Non, le monde les a haïs.
Les choses, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, ce qui se passe effectivement aussi avec nous. C'est pour ça que nous ne sommes pas de ceux qui devons attendre les félicitations. Oui, c'est toujours bon aussi, je n'ai pas dit que non, non. Mais on ne peut pas toujours chercher à ce que... Quand je fais, il faut que j'attende maintenant qu'on m'applaudisse. On n'a pas besoin. Bon, je parle effectivement de ma... Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un serviteur inutile. Il ne fait que ce que son maître lui a demandé de pouvoir faire. Enfant de Dieu, c'est, nous sommes des fils et des filles de Dieu, ce que nous cherchons. C'est pas que bon, on doit fabriquer pour dire, ah, il faut qu'on voit qu'il est spirituel. Non, frère, il faut, spirituel, on est censé l'être. On ne doit pas copier, parce que moi, je, vous et moi, nous servons Dieu, nous prions. Pourquoi? Pour être spirituel ou charnel? Spirituel, non? Donc, quand on est spirituel, on vit donc dans l'esprit, on a grandi dans l'esprit, on comprend que, qui doit être loué? Qui doit être loué? Ce n'est pas un homme qui doit être loué. C'est le Dieu qui a fait le travail dans l'homme. J'étais un chien. Maintenant, il m'a ramassé. Il peut m'habiller avec un costume. Qui doit être glorifié dans cela? Moi-même? Jamais. Parce que si c'était moi-même, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Ben, je sais d'où je viens, moi. Vous, je sais pas, vous venez des palais, vous venez des familles qui sont nobles, ainsi de suite. Moi, je suis vraiment, j'étais un chien ramassé par Dieu dans la rue. C'est pour ça, toute ma vie entière, je ne pourrais que lui être reconnaissant. Qu'est-ce que le monde peut me donner pour pouvoir me séparer de ce Jésus? La réflexion. Les voitures, ce sont des tôles. Un accident, c'est vraiment précieux ça. Un accident, vous voyez que c'est des plastiques et des tôles avec des caoutchoucs et des pneus. Je dois causer un problème à ma soeur, à mon frère pour une voiture. Ma soeur, mon frère, il a plus de valeur que cela parce que son père lui donne encore la capacité d'acheter. Il peut même acheter 3, 4, 5. Ce n'est que des tôles, ce n'est que de la ferraille. C'est ça que nous, Dieu nous instruit en fait qu'on sort de ces choses-là. Le matérialisme et de ceci, de cela. L'orgueil ne peut jamais faire partie d'un fils de Dieu. C'est d'accord. C'est d'accord. Ah bah, nous comprenons que... Alors, quand on est spirituel, c'est spirituellement qu'on juge les choses, pas charnellement. Alors, dans le spirituel, on comprend qu'effectivement, que sans Dieu, je ne peux pas être ce que je suis, ni ce que je suis censé pouvoir être. Et on comprend qu'effectivement, que tout sur la terre n'est que vanité. Tous ceux qui nous ont précédés, qui ont eu à pouvoir battre la poitrine, disant que je suis plus russe que les rois de France, c'est celui Louis XV, Louis XIV, Louis XIV, ils sont tous morts, ils ont pourri dans les cercueils. Les châteaux sont restés, on va seulement visiter les châteaux maintenant. Là où il était, personne ne pouvait entrer, maintenant je peux entrer, quoi. Parce que je peux m'asseoir sur des fauteuils, parce que les fauteuils ne pouvaient même pas s'asseoir, il fallait être noble, né de noble, de noble, de noble. Mais maintenant, nous qui sommes les personnes, lui, nous pouvons entrer. Ils ne sont jamais partis avec les châteaux, ni avec quoi. Tout reste sur la terre. L'homme est aveugle. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre. C'est comme ça que tu vivras en paix. Pourquoi? Parce que tu ne t'accroches pas aux choses de la terre. D'où vient le combat? C'est parce qu'on veut. Ainsi, nous avons le temps de vouloir. Dieu vous l'entend de la prochaine page de l'éliminaire. D'où vient toutes ces choses-là? Eh bien, et si nous terminons d'abord ici. Alors, nous revenons, nous prions, nous terminons. Qui, verset 37, nous réalisons, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim? Ou la nudité? Même si je suis nu, tu sais que Dieu m'a donné le vêtement. Ah ben oui, c'est vrai, frère. Vous direz, frère Léonard, mais frère, vous savez, ces hommes s'étaient mis de feuilles de figuier. Qui les a habillés? C'est le plus grand habilleur, le premier. Est-ce que vous comprenez? Donc depuis lors, il nous a montré que c'est lui qui t'habille. Il dit, mais Salomon, même dans toute sa gloire, par rapport à l'Is, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de quoi nous serons vêtus. N'est-ce pas vrai? De quoi nous serons, nous pouvons manger, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Souvenez-vous, il veille sur toi. Alors, nous continuons, il dit, ici, serait-ce la nullité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Vous voyez ce que nous sommes? C'est quand vous faites des compromis pour la parole de Dieu, vous entendez très bien avec tout le monde, vous n'aurez pas de problème. Mais quand vous aimez le Seigneur et sa parole, le monde va vous détester. Et on va vous régler comme rien du tout, évidemment aussi, parce que bon,
Mais là, on a continué, mais qu'on nous, c'est peut-être qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant, le verset 37. Donc, il dit tout ce qui est, on peut voir péril, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ajoute, car j'ai l'assurance, pas la probabilité de peut-être, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination, ni les choses présentes, ni même les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que je passe par les vallées, par les montagnes, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Il a dit, je veille sur ma parole. Ah oui. C'est pour ça que depuis ta naissance jusqu'à ce jour maintenant, tu peux réaliser pourquoi Dieu veillait sur toi. Pourquoi il est circonstance, effectivement, tu n'es pas passé par là, effectivement, tu es passé. Pourquoi? Parce que c'était le choix de Dieu. Et que quand Dieu a choisi, il a placé quelque chose, effectivement, au-dedans de toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie, parce que j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Pourquoi? Parce que tu as dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, afin que, peu importe les situations dans lesquelles vous pouvez passer, mon frère et ma soeur, ton ventre n'est pas plus important que ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour toi. Parce que parfois, tu n'as pas mangé comme ça pour voir, ah, pourquoi est-ce que c'est Dieu, moi j'ai toujours servi Dieu, et pourquoi j'étais le problème, pourquoi j'étais les souffrances, effectivement. Ça, c'est un insensé qui peut parler comme ça. Oui, monsieur, oui, madame, oui, frère. Quand tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas avoir de telles paroles dans ta bouche. Non, parce que tu reconnais que, en tant que fils de Dieu, les épreuves peuvent venir. Ils viendront. Que dirons-nous d'un homme comme Job? Par rapport à nous, c'est un homme qui était saint. Mais Job, en une journée, tout est parti. Tous ses enfants, ses biens, sa femme, donc ses maisons. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cet homme-là qui pouvait lui maudire Dieu, il n'a jamais maudit Dieu. Il pouvait murmurer à Dieu, il n'a jamais murmuré. Mais il a seulement rendu gloire. Il a dit, mais Dieu a donné, il a repris, que son Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Notre Père céleste et notre Dieu, tu es vraiment le Dieu de ta parole. Et la grâce que tu nous accordes, c'est de pouvoir également aussi reconnaître ta voix, mon bien-aimé Père oh Dieu. Nous te remercions encore en ce jour de grâce, mon bien-aimé Père oh Dieu. Tu nous as accordé de pouvoir également nous retrouver encore ensemble dans ta maison à toi, pour que réellement nous puissions entendre véritablement aussi ta parole et ta voix. Ton peuple qui est en connexion aujourd'hui, mon bien-aimé Père oh Dieu, là où il y a eu des incompréhensions, mon bien-aimé Père Tibissant, qui n'ont pas bien saisi les choses, que ton Esprit Saint puisse continuer à pouvoir les enseigner, mon bien-aimé Père oh Dieu, afin qu'ils aient l'entendement correct et juste, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu es vraiment très important pour nous dans notre marche, mon roi, parce que sans toi, tu es le germe de vie, mon bien-aimé Père Dieu. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, ni même pas avancer, mon bien-aimé Père Dieu, mais avec toi, nous ferons certainement des exploits, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est pourquoi nous vivrons, parce que toi, tu es la vie éternelle, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour ton amour et ta bonté encore aujourd'hui, Père. Merci pour tes compassions à notre endroit. Merci pour la grâce d'être à toi et d'être conduit, éclairé aussi par ta main puissante, mon roi. Merci, oh Dieu, de pouvoir conduire encore ton Père, mon bien-aimé Seigneur. Je remets ton peuple dans ta sainte main bénie, Père. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais les désirs de chacun. Tu connais les prières qui fait monter ton Père, mon bien-aimé Père Tibissant. La grâce d'être à toi, nous l'avons, bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Nous te voulons encore davantage, mon bien-aimé Seigneur. Secours mon frère, secours ma soeur. Entre dans sa vie, mon bien-aimé Père Tibissant. Entre dans sa maison, mon bien-aimé Seigneur. Ma soeur, tes désirs, mon bien-aimé Père Tibissant. Mon frère, tes désirs, mon roi. Moi, je désire aussi, bien-aimé Père, oh Dieu. Seigneur, viens changer la vie, mon bien-aimé Père Tibissant. Viens nous aider encore davantage, mon roi, parce que nous voulons être comme tu l'es, bien-aimé Père Tibissant. Être parfait, comme tu l'as dit, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu. Si tu as dit, mon bien-aimé Père Tibissant, tu le feras, bien-aimé Père, oh Dieu. Aide-nous, mon roi, nous voulons laisser tendre par toi. A toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon bien-aimé, oh Dieu. Nous te voulons davantage, mon bien-aimé, Père Saint. Merci encore pour ce moment béni, oh Dieu du ciel. Merci encore pour la grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Là où nous avons failli, j'implore ta grâce, mon bien-aimé, Père Dieu. Mais que ta paix, oh Dieu, ton secours et ton soutien soient accordés à ton peuple encore ce matin, bien-aimé, Père Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit aussi éclairé et soutenu encore par toi. Car nous t'avons priez, Père Tibissant, aussi implorant ta grâce, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.
Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. C'est pour moi, ça. Oh, merci beaucoup. Et je pense que je trouve quand même un endroit pour pouvoir aussi délaisser. Merci. Dieu te bénisse. Considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les.